Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, je suis alors. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec le casque? Je peux le mettre. Deux. Parce que j'entends pas. Relevez la visière. C'est le casque obligatoire, hein? En voiture, non? Non, non, c'est que pour les deux roues, le casque. Mais il y a quatre roues, donc c'est deux fois plus dangereux. Deux fois deux, quatre. Non, non, je crois pas que ça se calcule comme ça. Non. Non, non. Par contre, je vous préviens, je sais vraiment pas conduire, hein. Non, moi non plus. C'est pour ça que je suis moniteur. Allez, contact, on y va. Allez, on est parti, on va travailler le créneau. Ah oui, j'aime bien ça. Regardez pas par derrière. Non, parce qu'il y a un radar avec un bruit. Non, non, il n'y a pas de radar sur cette voiture. Si, il y a un bruit quand ça touche. Non. Putain, mais vous êtes vraiment trop cons. Il y a pas de radar, vous venez de taper la voiture derrière, c'est pas le bruit du radar. Oh putain, ça avance tout seul. Ça avance tout seul. Oui, ça avance tout seul. Mais quoi? Mais oui, mais... Mais c'est un véhicule, c'est un engin motorisé, il n'y a pas de surprise, c'est le principe, quoi. Je suis désolée, je suis très stressée, là. Ah ouais, mais ça, bon, allez, on y va, mais cool, hein. Cool, détendez-vous, pensez à autre chose. Ça avance tout seul. Oui, c'est une voiture. Tu sais qu'on se bosse sur la route, là, comme ça, là. On paye des impôts, pourquoi? T'as vu l'état des routes? Mais non, mais c'est pas des... C'est des ralentisseurs. Ah, c'est fait exprès? Mais oui, c'est pour ralentir. Ah, mais ça marche pas bien, hein. Ah, c'est quoi? C'est bon, c'est bon, cool. J'ai eu peur. C'est la radio, c'est la radio. Oh, oh putain, j'ai eu peur. Mais c'est normal, ça y en a comme moi, ça fait peur. Prenez à droite. Donc vous mettez à cheval sur le trottoir. À cheval? On est en voiture pourtant. Non, c'est l'expression qui veut dire qu'il y a deux roues sur le trottoir. C'est une blague. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est drôle. Non, bon, c'est... Par contre, c'est plus jamais ça, quoi. Ouais, pardon. Mettez-vous là. Après, bon, on peut plus rire, quoi. Non, c'est pas qu'on peut plus rire, mais je veux dire, on peut rigoler des choses drôles. Je vais marquer sur le dossier. Ah, un humour de merde. Attention. C'est une blague. Ça, c'est drôle. Alors, ce qu'il faut savoir, pour les femmes enceintes, faut jamais conduire plus de 2 heures d'affilée. Mmh. Sinon, après, t'es claqué, t'es crevé. Et en quoi ça me concerne? Bah, parce que vous êtes enceinte. Non. Après, je disais pas ça forcément pour vous, hein. Mmh. Comment calcule-t-on la puissance fiscale d'une voiture? C'est-à-dire? C'est le nombre de chevaux qu'il y a sous le capot. Elle n'a pas la place de mettre des chevaux sous le capot. Putain, elle va partir, celle-là. Ça me saoule. Vous pouvez faire le démarrage, là, s'il vous plaît? Non, non, c'est vous qui passez l'examen, c'est pas moi. Là. Oui, d'accord, mais moi, les démarrages en côte, je sais pas faire, j'ai peur. C'est pas mon problème, ça. Vous avez des pédales, non? Oui, j'ai des pédales. Et bah alors, vous pouvez bien le faire, ça va? Je vous paye pour quoi, moi? Vous vérifierez les essuie-glaces et la pression des pneus. Essuie-glace, ok. Et la pression des pneus, du coup, je m'arrête? Non, non, en fait, c'est en conduisant. Ah oui. Bah, c'est pas évident parce que. Bon, bah... Bah, devant à gauche, ça pas. Mais non, mais bien sûr, vous arrêtez. Bah, vous avez dit non. Mais vous êtes vraiment trop con. C'était une blague. C'était de l'ironie. Des andis. C'était une blague. Ouais. Ça, c'était pas marrant non plus, hein. Je préfère les chevaux. Donc je vous mets la première, je vous fais le démarrage et vous faites le reste, hein. Ok, là vous êtes en train de me toucher la jambe, monsieur. Ah, non. Ah bah si. Ah oui. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, vous prenez toute la place aussi, hein. Donc vous êtes en train de dire que je suis grosse? Non, pas du tout. Non mais le gars, il est en train de me faire des attouchements sexuels, il me traite de grosse. Mais ça va pas. Il est en train de me faire des attouchements sexuels, il me traite de grosse. Mais vous êtes dingue. Pervers narcissique. J'en peux plus, on va démarrer alors. Ouais, on y va. Et cool, hein, c'est quoi le permis, hein. Tiens, arrêtez-vous là, mettez les warnings. Ouais. Ici. Ouais. Oh, ok. Je vais aller me bouffer. Ah bon? Et il y en a pour longtemps, ça? Non, une vingtaine de minutes, je fais ça vite. Et c'est compté dans l'heure de conduite? Ah oui. Bah oui, mais attendez, c'est hyper important de savoir attendre en voiture. Tu sais, être là, savoir... Même savoir s'ennuyer en voiture, c'est... Ah, ça fait partie. C'est une des grandes épreuves du code de la route. Et je fais quoi en attendant? Faites des contrôles. Des contrôles? Oh, faites des contrôles, vérifiez les... Les angles morts, le capot est bien là, enfin vous faites des check, check. Allez. Vous pouvez prendre un truc ou... Non. Contrôle. Vous n'avez pas 10 balles? Donc là on va prendre l'autoroute. Ah non. Ah non. Comment ça non? Ah non, moi je prends pas l'autoroute, ça va trop vite, j'ai trop peur. Moi je veux le permis juste pour aller acheter le pain, tu vois. T'as déjà vu des boulangeries sur l'autoroute? Voilà. Tiens, mets-toi là, ralentis, mets-toi là. Juste. Bonjour. C'est combien? 40 euros. Oh, ça vaut le coup. Attends-moi là, je reviens. Ça aussi, c'est compté dans l'heure de conduite? Ouais, mais t'inquiète pas, j'en ai vraiment pour 5 minutes là. Bonjour madame! Monsieur, pardon. Vous avez grillé un feu rouge, roulé sur le trottoir, vous êtes fait flasher à 80 au lieu de 50. Mmh. Du coup, c'est bon, je l'ai? Je pense pas. Ah bah, moi, je pense. Alors là, bah, attouchement sexuel sur une femme enceinte, je peux vous dire que ça peut aller très loin. Chantage, ça marche pas avec moi. Et en plus, vous m'aviez prévenu que vous étiez pas enceinte. Ok, bah, pas de problème. Alors, hashtag MeToo. C'est bon, c'est terminé?
Pour aujourd'hui, ouais. Mmh. Mais je pense qu'il va falloir se revoir. Hein. Ouais. Ah ouais. Mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites avec 5 euros, vous? Bon, vous me donnez le permis, ça reste en train de... Il n'est pas craché sur 5 euros. Attends, j'ai une tête de clochard ou quoi? Mon professeur de conduite, alors que je suis enceinte et handicapée, me touche la jambe. Non, mais voilà, c'est bon. Allez, voilà. Voilà. Bravo, félicitations. Super. Belle conduite. Par contre, prenez pas la route tout de suite, c'est peut-être pas très prudent. Vous savez ce que c'est votre problème? Non. Vous êtes sexiste. Mais ça, c'est moche. Allez, ciao. J'entends pas, enlever le... C'est casque obligatoire. Comment on calcule la puissance fiscale d'une voiture? C'est-à-dire? Le nombre de chevaux qu'il y a sous le capot. Non. Non. Oui, je vous vois venir, mais non. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour celle-là. Non, il n'y a pas de place pour cette blague. Essuie-glace, clignotant en gauche pour la gauche, clignotant en droit pour la droite. Ok, donc clignotant gauche. Pour la gauche. Pour la gauche et à droite, du coup, c'est... Pour la droite, c'est facile à retenir, c'est les mêmes mots, quoi. À droite. Et pour aller et tout droit, pour aller tout droit, du coup. C'est-à-dire? Eh ben, on met quoi que pour aller tout, pour dire qu'on va tout droit, on met... Y a pas d'indicateur spécial pour aller tout droit, quoi. Y a pas de clignotant réservé aux gens qui vont tout droit. Les gens qui vont tout droit ne le signalent pas, généralement. Mais c'est super dangereux, hein. Pourquoi? Non, ça se voit qu'on va tout droit. Mais ça se voit quand tu tournes aussi. Non, faut l'enlever. Je veux pas. Non, ou bien l'enlever, hein. Oh, dis donc. Peut-être mieux avec le casque. Pourquoi? Vous êtes sacrément moche. Bah, ça serait vraiment très chiant s'il y avait un... Faudrait une lumière à ce moment-là, une lumière constante. Mmh. Très... D'aller tout droit. Mmh. Ça sert à... c'est marrant là. Non. Ça rend pas les choses. Oui, je sais. Oui. 5 euros, mais j'ai une tête de clochard ou quoi? les chevaux que ça... Non. Ça rend pas les choses. Non. Ça rend pas les cheveux sous le capot. Non. Oh putain, je suis pris au jeu, moi. Hop. Là, quoi? Vous êtes sur la piste cyclable. Eh ben. C'est réservé aux deux roues. Ah ben c'est bon, on a mis que deux roues dans la piste. Ça passe, non? Je sais pas. Ça reste entre nous. C'est pas mal, mais... Bon, ça va. C'est pas parce que vous avez deux roues dans la piste cyclable que vous êtes considéré comme un deux roues, vous comprenez ce que je dis? Ouais, mais c'est pas très clair, hein, en même temps. J'ai l'impression que je suis pas tombé sur une grande flèche non plus. Hein, hein. On vous l'a déjà dit. Vous êtes un peu con. Allez. Sous le capot, il y a... Non. Sous le capot, il y a plein de... Non. Non, toujours pas.